Salut Alexis, tu pourrais te présenter? Salut, je m'appelle Alexis Rodier, j'ai 18 ans, je suis en DUT GMP Amiens, GMP c'est génie mécanique et productif. Je fais du crossfit depuis environ un peu plus d'un an et demi, et je m'entraîne 5 à 6 fois par semaine. Quel est l'élément qui t'a poussé à t'inscrire au CrossFit, à CFSB? La salle, elle est juste à côté de chez moi, j'habite à 50 mètres de la salle, et mon père, il connaissait un des coachs, donc c'était plus facile de venir m'entraîner ici. Ok. Et quels étaient tes objectifs en arrivant justement chez nous? L'objectif, c'était de prendre du poids, du muscle donc, et d'être plus endurant et plus performant. Ok. Tu pratiquais d'autres sports avant de rejoindre le CrossFit? Faire du crossfit, j'ai fait du judo quand j'étais tout petit, ensuite j'ai fait 5 ou 6 ans de foot, et ensuite j'ai fait de l'aviron, un peu d'aviron. Du judo, t'en as fait pendant combien de temps? Du judo, j'en ai fait pendant, pareil, 5 ans, je pense. Ouais, 5 ans, je dirais. Ok. Et ces sports-là, ils ont pu t'apporter quelque chose par rapport au crossfit? Ouais, une bonne coordination. Ouais, je pense une bonne coordination avec le judo, le foot et tout ça. Être quand même assez endurant et fort dans les jambes avec le foot aussi. Donc toi là, tu as été élu athlète du mois de mai. Ouais. Donc tu as eu ta première récompense. Ouais. Félicitations. Merci. Et donc j'ai envie de te poser comme question, comment es-tu devenu comment t'es passé de simple athlète à athlète du mois? Mais les derniers mois je me suis un peu plus entraîné, je passais de 5 entraînements à 6 entraînements, enfin, je suis plus souvent revenu 6 fois par semaine, et après chaque fois je venais en open et je travaillais soit la gym, soit enfin, différentes choses pour m'améliorer. Tu bossais combien de temps en open gym? Bon, à peu près une heure. Une heure, ouais. Donc tu faisais WOD plus une heure d'open gym? D'accord. Et aujourd'hui, comment te sens-tu? Quelle est la différence entre le toi d'avant et le toi d'aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis plus fort, je me fatigue moins. Le matin, je me sens moins fatigué. Enfin, même dans la journée en général, je me sens moins fatigué. Et même en général, quand je fais un autre sport par exemple, je me sens mieux et je me fatigue beaucoup moins vite. Et tiens, question classique. T'as tous les mouvements en CrossFit? Ouais, j'ai tous les mouvements. Ouais, j'ai tous les mouvements. Et t'as mis combien de temps à les avoir? Un an et demi. Donc ouais. Là, c'était quoi le dernier mouvement que tu as eu? C'est la marche, vraiment bien marcher sur les mains. C'est le dernier mouvement que j'ai eu. Marche sur les mains? Ouais. Avec justement des petits parcours que tu peux te faire, ouais, tout avec ça? Avec des parcours, avec des poids, en mettant des petits poids au début et en mettant ensuite. Et donc là, on a discuté de tes objectifs en arrivant ici. Et maintenant, tes prochains objectifs? C'est de m'améliorer en haltéro et d'être plus fort. Donc j'aimerais bien passer une barre à 100 kg en épaulé. Donc là, t'as combien? 95. T'as 95 à l'épaulé? Ouais, j'aimerais passer 100. Mm-hmm. Et en arraché, j'aimerais bien passer 70. Et là, j'ai 65. Donc avec un petit peu de travail, un petit peu de technique, on peut y arriver. Technique, c'est pour passer. Ouais. Par rapport au coach, je voulais te demander quelle importance ont eu les coachs et ont toujours les coachs dans ta progression? Ils sont toujours là avec nous, ils sont toujours à l'écoute, ils nous corrigent dès qu'un mouvement est mal fait ou qu'on peut s'améliorer sur quelque chose. Et quand on a un problème ou qu'on veut s'améliorer quelque part, on peut leur poser une question. Il y a toujours un coach qui est là avec nous et qui nous aide tout le temps pour réaliser nos objectifs, et ça qui est super. C'est ça qui m'a permis d'évoluer assez vite. D'accord. Et j'ai une dernière question à te poser, j'aime bien la poser d'ailleurs. C'est qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ont peur justement de franchir la porte du CrossFit et qui ont peur du CrossFit? Je pourrais dire que par rapport à ce que les gens peuvent penser, que c'est un sport assez bourrin et qui fait un peu peur au début quand on regarde, c'est que finalement c'est pas du tout ça, et qu'on peut adapter tous les mouvements et adapter le CrossFit à soi.
c'est bah, justement grâce au coach qu'on peut faire ça. Et justement, n'ayez pas peur de ce qu'on peut voir en vidéo, c'est pas du tout ce que CrossFit représente et c'est vraiment un sport génial. Et surtout, même avec l'esprit d'équipe qu'il y a autour de WOD, donc toujours ensemble, toujours accompagné. Donc ça nous pousse à revenir, c'est toujours différent aussi. Ça nous pousse à revenir et à continuer et ne pas se mettre dans une routine où on fait toujours la même chose. Ok. Bon, bah merci Alexis d'avoir répondu à mes questions. Bah, de rien, plaisir. Je te souhaite une excellente progression et de bons résultats pour ton avenir. Bah, merci.